On se trouve devant l'ancien groupe scolaire des Buclos, qui a été laissé à l'abandon il y a plus de 10 ans par les anciennes majorités qui se sont succédées sur Meylan. Le fait d'avoir abandonné ce groupe scolaire et fermé les classes qui s'y trouvaient a entraîné petit à petit la baisse de l'activité, notamment pour les commerces locaux et pour le marché. Et nous, côté Meylan, ce que nous proposons, c'est de redynamiser le quartier en réinvestissant ses locaux, pour les associations notamment. Et ce projet sera en concertation, bien entendu, avec l'union de quartier, les habitants et toutes les personnes qui vont participer à ce projet. Nous sommes ici sur le site de la Serre, juste à côté de la piscine des Buclos. Ce lieu est prévu d'être construit. Quel que soit le candidat que vous choisissiez demain pour être maire de la ville de Meylan, c'est une zone constructible. Il est donc important pour nous, dans M Meylan et dans notre programme, d'y mettre un projet. C'est ici le projet d'un écoquartier. Un écoquartier qui soit écologique et économe en termes d'énergie, avec une neutralité carbone et un réseau de chaleur. Un écoquartier qui soit solidaire, en favorisant l'intergénérationnel avec une résidence senior, par exemple, mais aussi un écoquartier qui soit avant tout démocratique et pensé avec l'ensemble des usagers. Il nous semble aussi indispensable, bien entendu, de conserver la prairie qu'on a ici et qui nous est chère, tout comme les jardins familiaux situés juste derrière moi. Nous serons heureux de construire ce projet avec vous, avec la liste M Meylan.